Bonjour, je suis Thierry Paret, co-animateur de la matinale sur Radio Nova. J'aimerais vous présenter un artiste trop méconnu à mon goût, au vôtre aussi sans doute, parce que je serais très surpris si vous le connaissez cet artiste, sauf à être irlandais, puisque je voudrais vous présenter Joe Dolan. Joe Dolan, il est irlandais, c'est un artiste qui est décédé aujourd'hui, qui est mort à Noël en 2007. Sa vie est un conte de Noël d'ailleurs, on peut le dire. C'est un artiste qui était très populaire auprès des Irlandais évidemment, mais notamment des émigrants irlandais à travers toute la planète. C'est un artiste qu'on compare à Tom Jones, qu'on compare aussi à Tony Bennett, c'est pour dire. C'est un homme qui a joué à Las Vegas, qui a eu des contrats à Las Vegas. C'est le premier chanteur occidental à avoir joué en URSS. Voilà, je vais vous présenter la pochette d'un de ses albums, qui vaut quand même le détour. On notera quand même que parmi ses morceaux phares, il y a notamment Lady in Blue, qui est quand même un classique de chez classique. Voilà, donc, Joe Dolan, c'est ça. Ça peut paraître surprenant au premier abord, ça mérite le détour, ne serait-ce que pour le titre des chansons, que j'ai sous les yeux, hein. Vous avez quand même droit à du Crazy, du Woman, du Lady, du Sister, du Sweet Little Rock'n'Roll, Disco Crazy aussi, hein. Le mot Crazy est assez employé dans le vocabulaire de Joe Dolan. C'est un classique de chez classique. On notera quand même également cette magnifique poutre apparente qui est quand même un gage de qualité vocale incontournable. Who's that lady on her own? I wish that she would love me. Just stands there all alone, a painted smile upon her face. Merci. Hein. Nova, le grand mic. Très bon.